Dans un cours précédent de chimie, nous avons étudié l'évolution temporelle de la concentration d'un réactif ou d'un produit, comme ici le diode formé par cette réaction. Et nous avons alors défini la vitesse instantanée d'apparition du diode comme la dérivée temporelle de la concentration, calculée à un instant t, par exemple ici à 2 minutes, et qui peut se déterminer graphiquement car égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe à cet instant calculé ici en divisant 0,085 millimol par litre par 2,4 minutes. On peut généraliser ceci au calcul de la vitesse instantanée de variation d'une grandeur grand X quelconque qui est égale à la dérivée temporelle de cette grandeur à l'instant T considéré et qui peut se mesurer graphiquement sur la courbe d'évolution temporelle de grand X par le coefficient directeur de la tangente à la courbe et donc en divisant ici delta x par delta t. Nous allons réinvestir cette définition dans ce cours de cinématique afin de définir les outils de description d'un mouvement limité ici au seul mouvement rectiligne, c'est-à-dire à une dimension. Mais auparavant, quelques rappels mathématiques sur les dérivés de fonctions particulières qui vont nous être utiles ici. La dérivée temporelle d'une constante est nulle. La dérivée de la fonction t est égale à 1. Et enfin, celle de la fonction t est égale à 2 fois t. Nous allons définir les grandeurs du mouvement avec un exemple, celui d'une balle en chute libre, c'est-à-dire soumise uniquement au champ de pesanteur. La balle chute verticalement, selon un axe OX orienté vers le bas, initialement à l'abscisse x0 de plus 0,15 m. Et on repère son abscisse x toutes les 0,04 secondes. On en déduit l'évolution. Temporelle de x qui va nous permettre, comme on l'a vu avant, de mesurer la vitesse instantanée de variation de x qui n'est autre que la vitesse de la balle selon l'axe Ox et notée Vx est égale à la dérivée temporelle de x. Calculons la vitesse initiale, c'est-à-dire à t égale 0. Pour cela, on trace la tangente à la courbe à t égale 0 dont le coefficient directeur est calculé en divisant 0,038 mètre par 0. 0,10 soit 0,38 mètres par seconde. Cette vitesse initiale, selon OX, est notée v0X. De même, vx à 0,3 seconde est obtenue en divisant 0,34 mètre par 0,10 seconde, soit 3,4 mètres par seconde. On pourrait ainsi calculer vx à différents instants pour obtenir l'évolution temporelle de vx. Mais lors d'une chute libre, x ne varie pas n'importe comment, mais selon un polynôme du second degré, un résultat que nous démontrerons dans un prochain cours. Pour le moment, une modélisation informatique confirme le second degré en précisant les valeurs des constantes a, b et c. Et remarquons que le paramètre 0,15 est la valeur que prend x quand t égale 0 dans le polynôme et qui correspond à x0. L'intérêt de ceci est que l'on peut déduire Vx en dérivant x par rapport au temps. La dérivée du premier terme en t carré est 2 fois t fois 4,9 soit 9,8 fois t. La dérivée du deuxième terme en t est 1 fois 0,38 soit 0,38. Et enfin la dérivée du troisième terme constant, 0,15, est nulle. Vx alors égale à 9,8t. 0,38 est donc de la forme affine. Et 0,38 représente l'ordonnée à l'origine et n'est autre que la vitesse initiale V0x. Comme pour x, l'évolution temporelle de Vx nous permet de calculer des vitesses de variation de la vitesse qu'on appelle tout simplement accélération et notée à x est égale à la dérivée temporelle de Vx. Vx étant Affine, toutes les tangentes à la courbe ont le même coefficient directeur, soit une accélération à x constante est calculée en divisant 0,98 m par seconde par 0,10 seconde, soit 9,8 m par seconde par seconde, ou encore 9,8 m seconde moins 2. Mètre seconde moins 2 étant donc l'unité d'une accélération. Comme précédemment, on peut retrouver ce résultat autrement, en dérivant Vx par rapport au temps. La dérivée du premier terme en T donne une fois 9,8, soit 9,8. Et la dérivée du deuxième terme constant est nulle. Et on retrouve bien une accélération constante de 9,8 mètres seconde moins 2. On retient de tout ceci que la vitesse vx est la dérivée temporelle de x et que l'accélération ax est la dérivée temporelle de vx. En réalité, c'est le chemin inverse que nous serons amenés à suivre à chaque fois. Connaissant ax, il faudra alors en déduire vx. On dit que vx est une primitive de ax, c'est-à-dire que c'est une fonction telle que sa dérivée redonne ax. De même x est une primitive de vx, c'est-à-dire que sa dérivée redonne Vx. Prenons les cas simples où Ax est une constante, des cas qui caractérisent les mouvements uniformément accélérés, des situations qui nous intéresseront principalement cette année, comme ici avec la chute libre de la balle, dont l'accélération constante Ax de 9,8 mètres seconde moins 2 traduit que la vitesse de la balle augmente uniformément de 9,8 mètres par seconde toutes les secondes. Revenons ici. Si Ax est constante, alors sa primitive est une fonction affine de la forme ax fois t plus c1, où c1 est une constante. Pour le vérifier, dérivons vx. La dérivée du terme en t est une fois ax, soit ax. Et la dérivée du terme constant c1 est nulle. La dérivée de vx affine redonne bien ax. Recherchons maintenant la forme de x, la primitive de vx, c'est-à-dire une fonction telle que sa dérivée redonne vx. Si Vx est affine, alors x doit être un polynôme du second degré où C2 est une nouvelle constante. Pour le vérifier, dérivons les trois termes du polynôme. La dérivée du terme en t carré est 2t fois ax sur 2. Les deux se simplifient et on retrouve bien le terme ax fois t. La dérivée du terme en t est une fois c1, soit c1. Et enfin, la dérivée du terme constant C2 est nulle. Ce polynôme du second degré KVx est, est donc bien une primitive de Vx. La question est maintenant de savoir ce que représentent les constantes C1 et C2. Pour le voir, il suffit de reprendre notre exemple précédent de la chute libre. 4,9, le paramètre de t carré doit représenter ax sur 2. En effet, ici, ax vaut 9,8 et 9,8 sur 2 donne bien 4,9. C1 correspond ici à 0,38 qui n'est autre que la vitesse initiale de la balle V0X. Et C2 correspond ici à plus 0,15 qui n'est autre que la position initiale de la balle. On retient donc que lors de l'établissement des primitives Vx et X à partir 2AX, les constantes C1 et C2 qui apparaissent seront déterminées grâce aux conditions initiales de vitesse et de position. Pour mieux comprendre tout ceci, nous allons l'appliquer à un nouvel exemple. Prenons l'exemple un skieur soumis à une accélération constante AX positive de 3 mètres seconde moins 2. En effet, AX tout comme X et VX est une coordonnée algébrique, c'est-à-dire avec un signe et une valeur par définition toujours positive et notée ici AS. Et le signe dépend tout simplement de l'orientation de l'axe. Ax positif signifie que l'accélération se fait dans le sens de l'axe. Et pour le visualiser, on représente sur le schéma l'accélération par un vecteur, ici dans le sens de l'axe. Une accélération Ax négative aurait signifié une accélération dans le sens opposé à celui de l'axe et aurait été représentée par un vecteur dans l'autre sens. Dans l'énoncé seront toujours données les conditions initiales de position et de vitesse. A t égale 0, le skieur part du point g0 situé à l'abscisse x0 égale plus 15 mètres et avec une vitesse v0x positive et donc représentée aussi par un vecteur dans le sens de l'axe. Valeur de la vitesse notée v0. Et la question sera ici de connaître la position et la vitesse du skieur après 10 secondes. Pour cela, il faut connaître les équations de x et vx fonction du temps qu'on appelle équation horaire, et cela grâce à la connaissance de ax constante. En effet, vx étant une primitive de ax, vx est donc affine de la forme as fois t plus une constante c1. Vérifions-le en dérivant vx. La dérivée de as fois t par rapport au temps est as. Et la dérivée de la constante C1 est nulle. On retrouve bien AX égale AS. Et pour identifier C1, on réécrit VX à l'instant initial, c'est-à-dire à T égale 0. VX devient alors V0X et on remplace T par 0. Le premier terme s'annule et il ne reste plus que C1 égale alors à V0X, c'est-à-dire ici à plus V0, la valeur de la vitesse initiale. On réécrit alors Vx en remplaçant C1 par plus V0, d'où la première équation horaire ici de vitesse. Une remarque sur le signe de Vx. Les deux termes de Vx seront toujours positifs quel que soit l'instant T. Vx sera donc toujours positif. La vitesse pourra donc être représentée à n'importe quel instant par un vecteur dans le sens de l'axe, ce qui signifie aussi un mouvement toujours dans le sens de l'axe. Reste à établir maintenant l'équation horaire de position, x étant une primitive de vx qui est affine, x est donc un polynôme du second degré de la forme as sur 2 fois t carré plus v0 fois t plus une nouvelle constante c2. Vérifions cette expression de x en dérivant l'équation. La dérivée du premier terme est 2t fois as sur 2. Les deux se simplifient et il ne reste plus que as fois t comme ici. La dérivée du deuxième terme est une fois v0, soit v0 comme ici. Et la dérivée de la constante c2 est nulle. On retrouve bien l'équation horaire de vx. Là encore, pour identifier c2, on réécrit x l'instant initial, x devient alors x0 et on remplace t par 0. Les deux premiers termes s'annulent et il ne reste plus que c2 alors égal à x0. Reste à remplacer dans l'équation de x c2 par plus x0. Et enfin, pour répondre à la question, il suffit de remplacer t par 10 secondes dans les deux équations horaires, ce qui donne une vitesse de 35 mètres par seconde, qu'on multiplie par 3,6 pour l'exprimer en km par heure, soit environ 130 km par heure, et un skieur qui se trouve à ce moment à une abscisse X d'environ 220 m. En conclusion, on retient qu'il faut savoir établir les équations horaires de vitesse et de position à partir de AX constante, comme nous venons de le faire avec le skieur. Il faut savoir aussi que le sens du mouvement est donné par le signe de Vx. Un Vx positif signifie un mouvement dans le sens de l'axe, alors qu'un Vx négatif signifie un mouvement dans l'autre sens. Il faut enfin aussi savoir interpréter le signe de Ax. Si Ax et Vx sont de même signe, cela signifie que l'augmentation de vitesse se fait dans le sens du mouvement. Il y a donc accélération au sens usuel. Mais si les signes sont opposés cette fois, il y a toujours accélération au sens algébrique, mais la vitesse diminuant cette fois, on dira que le mouvement est ralenti au sens usuel.